J'espère que vous allez bien, moi je pète la forme comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 4e épisode de Zelda Majora's Mask. Alors si vous n'avez pas vu l'épisode que j'ai fait en live sur Majora's Mask, je vais vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé. Alors comme vous avez pu le voir dans l'épisode 3, on est retourné dans le passé. Après, on est allé voir la fée qui nous a donné le pouvoir du Blastobule comme d'hab. Et nous a donné aussi un masque de fée pour ne pas faire peur aux autres fées qu'on va rencontrer au fil de l'aventure. Et après, je suis sorti. J'ai pu sortir de Bourg-Clocher car j'avais l'épée et les gardes ils m'ont permis de sortir. Et justement, je me retrouvais dans les plaines Termina. Et justement, je me suis aventuré dans les plaines Termina et je suis arrivé ici. Donc voilà, je vous ai raconté un peu tout ce qui s'est passé que vous avez, je suppose, pas vu. Bref, c'est parti. Alors, je joue à la manette actuellement et ça fait vachement du bien. Alors voilà, j'ai pris une noix mojo, on va mettre un peu moins fort. On va mettre 20, ça suffit. Alors justement, je joue à la manette, c'est méga cool. Ça fait vachement du bien en tout cas. Et donc on est Link et tout ça. Et on va dégommer un peu les buissons pour trouver des diamants, de la magie, tout ça. Alors alors déjà on va aller voir dans la cabane chelou là. On va monter les escaliers. Et let's go. Alors, bonjour. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ok, il y a un clochard à moitié à poil avec des lunettes très cheloues. Ok. Alors, ça alors, je rêve. Où est-il donc? Cet enfant gâté fait encore l'école buissonnière. À son âge, on a autre chose à faire que de chercher des fées. Oh, bienvenue. Putain, mais regardez sa tête de plouc. Eh bien, montre la photo que tu as prise. Je n'ai jamais pris de photo. C'est bizarre. Hein? C'est la première fois que tu participes au concours? Tout à fait, mon cher monsieur. Eh bien, l'Office du Tourisme des Marais organise un concours de photos. C'est une épreuve ouverte aux personnes de tous les âges. Pour de belles photos prises dans le marais, une croisière sera offerte comme prix spécial. Alors, désires-tu y participer? Bien sûr. Oh, mais pour y participer, tu dois d'abord faire un tour en bateau. Les réservations pour la croisière se font au guichet là-bas. Si ça t'intéresse, n'hésite pas. Ah oui, ça m'intéresse beaucoup, j'adore la photo, tout ça. Hein. Bonjour. Guichet fermé, comment ça? Se renseigner à la boutique de potions des sorcières à la lisière des marais. Alors, on doit aller dans une boutique de potions pour se renseigner pour ce fameux concours de photos. Alors, let's go. Oh, 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 casse-toi. Il peut se noyer, Link. Hein. Ça, je vous l'ai pas dit, mais il a une possibilité de se noyer. Alors, perso, on va aller dans le menu et on va mettre le masque mojo. Let's go. Alors, on va mettre ce fameux masque. Oh, j'ai toujours détesté quand il se transforme, c'est horrible quoi. Tu peux voir à quel point Link il souffre quand il met un masque. Mais vas-y, je suis con ou quoi? Pourquoi je suis aussi con? J'ai tourné autour du truc comme un fou là. Alors let's go, on va aller on va sauter de nénuphar en nénuphar. Let's go. Alors, on est bientôt arrivé. Alors, je savais bien qu'il y avait une sortie ici ou une entrée. Alors, je sais pas du tout où on se dirige. On va regarder en se renseignant à la carte. Bonjour. Pourquoi j'arrive pas à me renseigner? Oui, vers la hutte des potions magiques. Alors, c'est exactement ici. On est au bon endroit. Voilà. Passe-moi ça, ça m'intéresse. Alors. Sérieux là? Ok, bon, on va pas se faire chier à essayer d'attraper. De les tuer grâce aux noix mojo là. Alors, let's go. Ici, il y a une autre cabane. Et je suppose que c'est la cabane
la cabane de la boutique de potions. Alors sur le panneau au guichet ou je ne sais quoi, c'était marqué que c'était des sorcières qui justement avaient vendaient des potions, ce qui me semble assez logique après tout. Bref, alors perso, je vais vous le dire, One Shot, on va continuer notre aventure sur One Shot dans 2 ou 3 vidéos. C'est elle ? Ah non, c'est elle là ? C'est sérieux là ? C'est quoi ce truc ? What ? Mais c'est quoi ce... What ? What ? Mais c'est laid, c'est dégueulasse ! Ouah, ces globes oculaires ont explosé, man ! Non mais sérieux, perso, on dirait un poireau mis de... Waouh, c'est très bizarre. Elle ne fonctionne pas sur les humains, désolé, mais tu dois partir. Pourquoi je dois partir? Ah, c'est un problème, je vois, je ne vends mes potions qu'aux humains. Oui, aux humains. Ah oui, ah désolé. Non, perso, j'avais oublié d'enlever le masque. Voilà, alors. Hé, bienvenue. Mes potions sont de très grande qualité, assurément. Seriez-vous, hein, par hasard, intéressé par une croisière en bateau? Ah oui, tout à fait. C'est dommage, Koumé est partie dans la forêt ramasser des champignons. C'est qui Koumé? Je ne sais pas. Mais maintenant que j'y pense, elle tarde à rentrer. Tu pourras aller la chercher pour moi? Oui, on se perd facilement dans ces bois. Demande au singe. Ok, alors, on va... Bon, on va quand même lui acheter un pot. Alors, c'est quoi? En fait, je n'arrive pas à trouver les ingrédients pour ça, alors je n'en ai plus, désolé. Ok, j'ai pas vraiment compris, mais c'est quand même 60 rubis. 10 rubis, très utile lorsque ton énergie, on en trouve dans les buissons n'importe où. Régénère toute ta vitalité en une gorgée. Ça par contre, ça m'intéresse. J'achète. Je ne peux te la vendre si tu n'as rien pour la mettre. Ah oui, c'est vrai ça. Alors écoutez. Ah oui, mais c'est normal. C'est... Ouais, alors on va acheter plus tard. Je pense sûrement qu'on va revenir. Alors il faut trouver Koumé. Je sais pas, c'est une amie ou sa sœur ou voilà. Bref, il faut la retrouver. Elle va nous donner des renseignements sur fameux concours de photos pour la croisière. Alors, je me demande s'il y a des diamants ici. Ouais, alors cool. Perso, pour avoir la potion tout à l'heure, on va. Est-ce que on peut vider Non, bref, on va le faire plus tard. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Pff, je l'ai découpé. Voilà, c'était l'irrespect. Oh non, je peux plus lire. Mais non, mais je peux plus lire parce que je l'ai. Oh le coup. Oh là là. Le boulet quoi. Alors let's go. Il y a un babouin. Bonjour. Bonjour le babouin. Ok, il y a Lost Woods qui est pas mal. L'une de mes meilleures musiques de Zelda. Toi me suivre. D'accord. Alors déjà on a affaire à un singe qui ne sait pas parler. Perso je sais pas du tout où il se dirige. Ok. Mais en fait le truc qui est chiant c'est que il se dirige d'un côté pour aller à un autre. Non. Regardez, on croit qu'il va aller au milieu, mais en fait, il va sur le côté. Ok, alors là, perso, il va devant. Ok, mais il y a Tortue Géniale qui m'attaque, là, c'est bizarre. Ok, on va là. Ouais, on y est arrivé, alors je sais pas du tout... Ah, ça doit être elle, Koumé. Non, mais... Aïe, aïe, aïe. Oh, aidez-moi. Bonjour. Bonjour, madame. Waouh. Mais sérieux, je vais pas vous le cacher. Leur tête aux sorcières, là, on dirait un Nimbus 2000. Ouais, mais c'est trop moche. J'étais en train de m'occuper à... J'étais en train de cueillir des champignons. Je me suis pris un coup sur la tête, ce satané Skull Kid. Il pensait qu'une vieille sorcière comme moi ne le reconnaîtrait pas malgré son masque. Oh, et dire qu'il est aussi puissant que ça. Et me voilà immobilisé. Toi, tu posséderais pas... Tu ne posséderais rien qui puisse me donner de l'énergie. Alors...
Non, je crois pas que... Non, j'ai rien. Ah, mais oui, je crois que j'ai une idée. Attends. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Tu n'es d'aucune utilité. Je dis, il semble que tu n'es pas du tout ce que tu prétends être. Non, mais sérieux, c'est l'irrespect. Non, mais sérieux, j'hallucine, quoi. Madame, je vais aller chercher. Je crois que j'ai une idée. Je sais pas, elle est bonne ou mauvaise. Je vais aller voir la sorcière. Je vais lui acheter... Je vais lui acheter une potion. Et je vais donner à l'autre sorcière Koumé, là, qui est très chelou. On y va, on monte. Tout va bien. On peut toujours voir un peu la lune de Majora. Let's go. On y va. Alors bonjour madame. Bonjour madame Poirot Nimbus 2000. Bonjour. Hé, bienvenue. Mes potions sont de très grande qualité, assurément. Non mais sérieux. Les vieux ont une mémoire courte. Ok, alors. Ouais. Oula, elle a fait un cri de moineau là. Comment Skull Kid a eu Koumé? C'est ridicule. Si c'est seulement Skull Kid, quel mal pourrait-il faire? Oh, et bien si c'est vrai, amène-lui cette potion. C'est pas bon du tout. Waouh, révélation! En fait, les sorcières, ce sont des vampires! Mais sérieux, là, ils boivent du sang, c'est chelou. Attends, j'ai lu assez rapidement, c'était marqué qu'on peut se servir à mettre d'autres liquides dedans. Et je pense que ça va, je sais pas vraiment ce qu'il voulait dire par là, mais je pense que ça va nous aider pour l'aventure. Alors, on va justement aller revoir sa Koumé là. Alors, on va aller là-bas. Alors, on est perso, on est à la moitié de la matinée du premier jour. On a encore vachement le temps. Alors, écoutez, je vais quand même vous montrer. Non, alors non. Je vais vous montrer un champ d'ocarina. Que, en fait, le temps il passe deux fois plus lentement. Car j'ai joué le champ du temps à l'envers. Et c'est ça. Voilà. Voilà, ça c'est le champ du temps à l'envers. Le champ du temps inversé. Et rendre au temps son écoulement normal. Non. Mais normalement, à l'origine, c'est pour ralentir le temps. Let's go. Alors, bonjour le singe, on va te suivre. Toi me suivre, ouais, je sais. Alors. Ok, ok, alors tortue génial, tu vas pas me faire chier. Ok, super. Tout droit, tout va bien. Oh, mais non, mais je me fais agresser là, c'est pas possible. Ok, on va là. Let's go. Allez la vieille là. Oula, c'était pas très gentil. Ne te sens-tu pas obligé d'aider une pauvre vieille sorcière quand t'en croises une? Allez, let's go. On va te donner la satanée potion que la vieille dame nous a donnée. Enfin, la sorcière quoi. Et ça, on va le remplacer par les noix mojo parce que pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et on va lui donner. Tiens madame. Ah, cette couleur, cette odeur, ce sont vraiment celles de Kotake. En fait, je suppose qu'elles sont sœurs. C'est juste une supposition. Waouh, mais elles sont moches. Sérieux, on dirait un Nimbus 2000, un Poirot et Slenderman. C'est une fusion de ces trois... de ces trois trucs. Oh, je sens l'énergie couler en moi. Koumé revient à la vie. Super Saiyan! Désolé, c'était plus fort que moi. Tu m'as sauvé. Je suis le guide du marais. Je m'occupe de la croisière. Ah oui, voilà. Rends-moi donc visite si tu veux faire un tour gratuit. Mais rendre visite où, en fait? Ok, alors écoutez.
On va retourner sur nos pas. Oh, il y a trois singes qui... Ok, bonjour les babouins. Toi avoir pouvoir étrange. Non, sérieux, ils ont pas passé le CP, ces singes. Moi, t'avoir observé. Marais remplir d'eau empoisonnée. Les persos, je trouve qu'ils sont trop mignons. Temple étrange au-dessus de cascade. Frère être parti au temple. Les frères pas trouvé entrée du temple. Temple seulement pour Mojo. Ah, peut-être qu'après on va devoir aller au temple et je vais mettre mon masque. Temple, ouais, ouais. Ouais, ouais, ça a du sens ce que je dis. Frère capturé par Mojo. Être dans palais maintenant. Au secours. D'accord, bah très bien. Je suppose que faut les suivre. Enfin, je sais pas, les gars. Oh, et puis, on va déjà voir la sorcière aux potions. Je sais pas si elle va nous donner un truc ou un genre de bordel comme ça. Alors, attends. Je veux bien... Waouh. Ok. Attends, non, c'est juste une supposition. J'essaie juste, hein. J'essaie juste. Oh, mais carrément! Vous avez rempli votre bouteille avec l'eau de pluie. Bah voilà, ça sert à ça, ce truc. Ça va peut-être nous servir dans l'aventure. Mais, voilà. Alors, écoutez, on peut le ranger. Ouais, alors, je veux pas me défendre pour l'instant. Bref, on va monter. Et on va parler à la dame. C'est la troisième fois qu'on est allé dans le même bâtiment. Là. Alors, bonjour, madame. Bonjour madame. Et bienvenue. Mes potions sont de très grande qualité, assurément. Kume m'a tout raconté. Alors, as-tu fait la croisière en bateau? Non. Mais je vais quand même t'acheter une potion. Alors, en fait, je n'arrive pas à trouver les ingrédients, blablabla. On va prendre celle-ci. Oui, j'achète. Pourquoi? Oui, alors attends. Alors attends. Ah non, on doit lui demander. Ouais, alors, il y a bien longtemps, on adorait pouvoir les repérer ou plus, blablabla. Bref, pour l'instant, on n'a pas besoin de potions, c'est pas grave, hein, même si on n'a pas de place, j'ai trop la flemme. Allez, on saute. Voilà. Et on va aller justement en arrière. Perso, je me demande si le mec à poil va enfin pouvoir nous rendre... Oh là, tu me laisses tranquille, toi. Vas-y, tu veux quoi? Vas-y, tu veux quoi? Ok, alors, je suppose qu'on va se transformer en Mojo. Oh non, je veux pas voir ça. Pardon, je suis désolé, je sais pas pourquoi aujourd'hui je suis fou. Enfin, comme d'habitude, en vrai. Tac, tac, 1, 2... 3, 4, 5, alors 1, 2, oui, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, oui, 1, 2, ouais, vas-y, monte. Oula, non mais vas-y, monte, voilà. Alors maintenant, on va monter et aller parler au monsieur. Alors ici, j'avais vu qu'il y avait quelqu'un et je sais. On va devoir lui parler. Merci de t'être arrêté. Je fais des affaires essentiellement avec les pestes Mojo. Ok. J'aimerais bien faire des affaires dans le palais, mais il y a une grosse pieuvre qui bloque le passage. Et une pieuvre. Ok. Il n'y a pas grand chose que je puisse faire pour passer au travers. Sais-tu ce que sont les haricots magiques? Je t'en vends pour 10 rubis. Perso, je ne sais pas comment utiliser des haricots. Je sens que ça sert à rien. T'en vendre alors. D'accord. Oui, je sais pas super vraiment ça sert à quoi les haricots magiques. Par contre, dans une autre histoire, ça sert à monter jusqu'au ciel à l'île des ogres. Le concours de photos, blablabla, est réservé aux humains. Alors on va enlever ce masque. Alors, quoi? Ah, il y a le guichet, non? Ah! Mais en fait, la sorcière, c'était... Ah. Ouais, la sorcière, c'était celle qui était au guichet.
Oh, merci pour ton aide précieuse. Oui, Koumé te remercie. Je t'offre une croisière gratuite en signe de reconnaissance. Ah oui, nous sommes en pleine période de promotion, alors nous offrons ça gratuitement. Ah ouais. Ah ouais, quand même. C'est pas un Canon, quoi, je veux dire. Ok, alors on a un vieil appareil photo des années... je sais pas, des années 60. Ok, si tu prends une belle photo pendant la croisière, porte-la à cet homme là-bas. Oui, le mec à poil, le clochard. Ouais, je sais très bien. Alors, écoutez. Bienvenue à la croisière. Oui, d'accord. Mec, je veux bien. Il faut quand même que tu me laisses utiliser le truc, quoi. Alors, écoutez, on va le mettre en bas. Le truc, l'eau de pluie, on va l'utiliser plus tard. Alors, écoute. Prendre une photo d'un truc assez beau, hein. Parce que si on prend cette texture dégueulasse, là, ça va pas y aller. Qu'est-ce qu'on va prendre de beau? Alors, pour l'instant, c'est pas méga beau non plus. Ok, alors. Sérieux, je veux vraiment gagner ce concours, donc je cherche vraiment cette fleur là. Ouais, ça c'est beau. Ouais, celle-là elle est belle. Mon émulateur a planté ou quoi? J'appuie sur tous les boutons, mon émulateur a planté. Ah oui, ah d'accord. En fait, c'est le temps que prend l'image pour se développer. Gardez cette image, oui. Alors, perso à la... Pourquoi il y a... Ah, peut-être que c'est cette pieuvre-là qui voulait parler. Ouais, d'accord. Ouais. Alors, à la prochaine sauvegarde, je vous préviens tout de suite, j'arrête. Waouh, mais c'est trop beau. Là-bas, il y a un singe qui m'attend, là. Ok. On est bientôt arrivé, chère madame. Nous arrivons au palais Mojo. Ah, mais c'est... Ouais, d'accord. L'eau est... Ok, alors... Ouah, l'eau est empoisonnée, c'est vrai. Monte. Non, je suis mort. Oh, le con. Non, mais sérieux, je croyais qu'on pouvait remonter avec ses mains quand... Oh, le boulet. Alors, pack. Voilà, celle-ci, elle est bien. Alors, let's go. On va attendre un peu. 3, 2, 1, let's go. Alors non, voilà, c'est bon. On va dire que oui. Voilà, et là, on est arrivé. On va essayer de ne pas tomber dans... Oui, je sais, on arrive. Alors, écoutez, on va essayer de ne pas faire le con. Voilà. Salut, frère. Ah, on doit le suivre. Vas-y. What? Oh, nouvelle musique. Palais Mojo. Wow. Alors écoutez, écoutez, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez aimé, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner pour ne plus jamais rater mes prochaines vidéos. Et si vous avez des questions, des conseils ou même des compliments, vous pouvez mettre tout ça dans les commentaires. Sur ce, je vous dis ciao tout le monde et passez une bonne après-midi.